Alors, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants. Toute ma vie, plus ou moins, j'ai eu des problèmes de poids et j'ai beaucoup fait le yo-yo, j'ai testé tous les régimes de la création. À chaque fois, j'ai perdu du poids, pas mal de poids même. Et puis, une fois que le poids était perdu, ben, on ne sait plus quoi faire. On a accumulé tellement de frustrations que le jour où on remange normalement, ben, finalement, c'est plus normalement qu'on remange, c'est trop. J'avais 40 kilos de plus. C'est difficile à croire, certainement, peut-être, mais c'est la réalité. J'ai découvert le programme avec une émission de télé et bah, là, il y avait un monsieur qui parlait et son discours m'a interpellée puisque du coup, il parlait de nutrition, mais sans parler ni régime, ni frustration, ni... Par contre, il parlait de sport et d'alimentation. Petit à petit, j'ai commencé bah, à me réalimenter suivant les principes de la méthode Fitnex, à réapprendre à manger. Et finalement, j'ai vu que bah, ça marchait. Mon corps, petit à petit, s'est affiné. J'ai recommencé à faire du sport. Alors, le premier jour où j'ai mis mes baskets pour aller courir, je pense que je m'en souviens et je m'en souviendrai longtemps. Pour moi, courir, depuis l'enfance, c'était une torture. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je prendrais même un peu de plaisir à aller courir, enfin, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça fait plusieurs années maintenant que j'applique les principes et enfin, j'ai peu ou pas de poids à perdre aujourd'hui. C'est pas pour ça que je continue pas en fait. C'est mon mode de vie, enfin, c'est notre mode de vie en famille, on continue le sport. Pour moi, c'est devenu naturel, c'est quotidien, c'est une philosophie de vie, c'est dans la tête. Et une fois que la tête en fait, a assimilé tout ça, bah, le corps il suit. J'ai parfois encore du mal à me reconnaître. Malheureusement, c'est vrai que j'ai tellement varié de poids enfin, au cours de ma vie et je suis jamais restée stable au niveau poids, à part aujourd'hui depuis quelques années, que je commence tout juste à m'apprivoiser.